Entrez. Entrez. Ils sont sourds ou quoi? Vous étiez aux toilettes? Non, non. Non? Parce que j'ai frappé plusieurs fois. Oui, je vous ai dit d'entrer trois fois. Vous en faites pas, c'est pas grave. Vous aviez rendez-vous? Oui, pour le stage. Ah, vous êtes Raphaël. Oui. Mais vous aviez rendez-vous à 10h ce matin, il est 14h. Ah bah c'est que je vois vraiment pas le temps passer. Bon bah entre. On va se tutoyer, ce sera plus simple. Si vous voulez. Oui, la stagiaire est arrivée. Ouais, je sais. D'accord, je te l'envoie. Tu peux aller voir la directrice. Elle est dans le bureau au fond du couloir. Dans un boudoir? C'est sympa ça. Non, non, attends, elle est pas dans un bout. Au fond du couloir. Il y a un gros singe. Il y a aussi un énorme crocodile là. C'est qui la petite? C'est la nouvelle stagiaire. Oh, merci. Tu sais, son corps va bien s'amuser les prochaines semaines. Parce que tu crois que t'as une chance avec un avion de chasse comme ça? Ben, j'ai mon charme, moi, non? Ouais, mais moi, je la vois. Ouais, mais toi, t'as surtout une copine. J'adore les stagiaires. Hein. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Ah, madame Mailleul, pardon. Je vous avais pas reconnue. C'est mon rendez-vous de 14h. Oui, je me suis dit, quitte à mettre mes atouts intérieurs en valeur, je pouvais faire la même chose à l'extérieur. Et vous avez bien fait. Allez, je vous embarque. Oui, entrez. Bonjour. Je viens pour le stage. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous deviez être là à 10h, pas 14h. Vous commencez mal, mademoiselle Golin. Golin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y en a plusieurs qui se trompent. Bref. Donc, vous allez travailler avec nous pendant 3 mois. Alors, vous allez apprendre un petit peu notre métier. Notre branche est tout particulièrement axée vers la découverte et l'amélioration des capacités de chacun. Donc, déjà, est-ce que vous connaissez vos qualités, ou du moins quelques-unes? Oui. Je vous écoute. Vous voulez mes qualités manuelles ou physiques? Des qualités en relation avec le travail. Eh bien, je fais le meilleur café au monde. Trier les dossiers par ordre alphabétique, c'est ma spécialité. Mmh. Et j'ai les mains très douces. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aller voir vos proches, vos amis, votre famille, et de leur demander ce qu'ils pensent de vous. Comment est-ce qu'ils vous perçoivent? Quels sont, selon eux, vos meilleurs atouts? Et t'en as d'autres, des idées à la con comme ça? Espèce de tocard. Aller voir mes amis, mais quels amis? Tu crois vraiment que l'amitié existe dans ce monde de merde? Et tu penses quoi de moi? Tu penses quoi de moi? Non mais bouffe-moi le cul, ce sera plus utile, hein. Non, parce que des fois, il y a un décalage entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce que les autres voient. Bah oui, bien sûr, oui. Thank you.